Internet. Alors aujourd'hui, on va déballer presque ensemble ma commande que j'ai faite sur un site internet, une boutique ésotérique en ligne qui se nomme Wild Folk Soul, que j'ai découverte sur Instagram. Donc ils ont également un compte Instagram. Donc c'est une boutique où il y a une multitude d'accessoires ésotériques. Ça va de la bougie aux fanions, aux patchs, aux tapis pour les tirages de cartes, des vêtements également, etc., etc. Et donc j'ai passé une commande sur ce site. Alors, lors de la réception du colis, j'ai eu un petit souci pour justement sortir ce colis de la boîte aux lettres, mais je tenais quand même à te le montrer pour si tu passes une commande MC4. Comme quoi c'est bien protégé à l'intérieur. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de trucs. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, parce que bon, c'est vrai que c'est ma petite hantise quand je commande des choses. Voilà, nous avons la petite pépette qui nous passe un petit bonjour. Quand je passe une commande de choses plus ou moins fragiles, c'est ma hantise de recevoir les choses cassées. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Tu vois bien que c'est. Tout est bien protégé. Voilà. Donc, on va passer à la commande. Alors, ouais, super. Donc, j'avais commandé une pochette pour mettre un jeu de tarot de façon à le mettre dans mon sac. Donc, voilà. Donc, c'est une pochette très, très bien en coton avec le petit imprimé dessus. Dans mon chapeau de sorcière, donc très très bien l'imprimé, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être c'est de la bonne qualité ça, je suis contente. Ok, alors qu'est-ce que j'ai commandé? Ah voilà, donc en cadeau j'ai eu une petite carte, enfin une petite, tout est relatif, une grande carte. Et alors c'est rigolo parce que la première fois que j'avais fait mon panier, j'avais mis cette carte dans mon panier et puis après je l'avais retirée et puis tu vois, au final elle me l'a mise en cadeau. Donc voilà, c'est une très belle carte postale qui ira très bien avec ses petites sœurs, de grand format, mais je trouve que c'est super. Alors tout est fait main, hein. C'est une créatrice. Je te mettrai en barre d'informations de toute façon toutes les informations concernant cette personne. D'ailleurs, elle a dû me mettre une carte. Alors, regarde, la carte, elle est là. Alors, ensuite, donc j'ai commandé une. Hop. Ah oui, non, elle est accrochée. Que j'ai pas une carte, une petite carte, non, mais pas une carte. On va dire que c'est celle qui est accrochée à la bougie. Donc j'ai commandé une bougie. Donc comme tu peux le voir, c'est très très bien emballé. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de casse. Hop. Oh magnifique. Donc là on a, voilà, la petite. La petite étiquette avec les contacts. Donc elle a un compte Instagram, un compte Facebook et donc son adresse mail. Donc si tu veux faire pause, voilà, pour récupérer toutes les coordonnées. Mais de toute façon, je te les remettrai en barre d'informations, n'aie crainte. Bon, du coup, c'est tellement bien emballé que j'ai. Ah mais si, on va faire comme ça. Hop là, et voilà. Une superbe bougie décorative, du coup je vais pas l'allumer celle-ci. Superbe. Alors elle est en paraffine, je crois. Je vérifierai, je te préciserai, je rectifierai en bas de la vidéo si c'est une erreur de ma part. Mais il me semble que c'est une bougie en paraffine. Voilà, donc je fais la vidéo en duo avec ma petite pépette. Super. C'est vraiment très joli. Du coup, je découvre avec toi. Je l'avais vu sur le site, mais c'est juste magnifique. C'est très très bien.
Donc ça, voilà, on va mettre ça de côté. L'emballage de la bougie est très, très sympa. Ben voilà, Pépette, elle est dans le sac. Ça y est. Très sympa. Bon. Petites attentions non négligeables que j'apprécie quand je passe commande chez des créateurs. Et donc, le dernier article, c'est celui-ci. Donc, il est très protégé. C'est celui-ci que je redoutais qu'il soit cassé. Mais j'ai l'impression que ça m'a l'air très, très... Alors déjà, c'est très bien emballé. Très, très bien emballé. Très bien protégé. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit cassé. Attention. Donc, c'est dans un petit seau en plastique tout à fait... Hop là, simple. Ok, avec de quoi protéger encore. Et donc voilà, un petit pot à bougie avec des bâtons. Oula là 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 là, que je fasse attention quand même. Des bâtons de cannelle, un cristal de roche. Très bien, un petit œil ici. Une petite fiole là. Voilà. Toujours la petite carte. Encore. Ah, attends, j'ai un petit mot. Alors, qu'est-ce que c'est ? Merci d'avoir choisi mes créations. Tu peux détacher le cordon et ou accrocher cette carte. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup, Amandine. Prends soin de toi également. Et foi. Et merci beaucoup. Si tu passes par là, je te remercie beaucoup. Parce que je suis absolument ravie. Peut contenir des traces de magie. J'adore. Spacey Solstice. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, attends. On va essayer d'ouvrir. Hop. Attends, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de faire les choses. Ah oui. Très sympa. On a un petit œil. Un sourcil, on va le mettre en haut quand même. Un petit œil sur le devant. Ah, j'aime bien, ça fait un petit pot apothicaire. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est intitulé comme ça sur son site internet. C'est très sympa. Donc là, pareil, en décoration. Alors, il me semble qu'elle est... Oui, elle est parfumée. Hein. Ça m'a l'air... Ah, là, c'est Noël. En même temps, Noël, c'est demain. Enfin, c'est après-demain, parce qu'avant, il y a Sowin. Très sympa. J'aime beaucoup. Bah, écoute... Je suis très 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 ravie. Donc voilà, si tu cherches des accessoires ésotériques, je te propose ce site. Je ne suis pas du tout mécontente. Au bien au contraire, je te le recommande. Ok, parfait. Eh bien écoute, voilà, c'était mon petit déballage avec toi de ma commande sur Wild Folk Soul. C'est très bien protégé. Vraiment, je suis plus que ravie. Et je crois que c'était tout. Ouais. Bon, eh bien, écoute. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Bah, déjà, si tu connaissais peut-être cette boutique. Et si tu envisages peut-être de passer commande, je ne sais pas. Mais en tout cas... Voilà, même si j'ai peu d'abonnés, je trouve que YouTube, c'est une façon de donner un petit peu plus de visibilité aux vidéos. Et donc, voilà, si je peux donner un petit peu de visibilité, un petit peu plus de visibilité aux créateurs indépendants auxquels je passe commande. Alors, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, tu l'auras bien compris, je l'ai payé de mes deniers personnels. Attends, on va essayer de... C'est pas joli comme ça aussi. Non, on va la mettre là. Bon, bah écoute, voilà. Je te souhaite de belles choses. J'espère que ça t'aura plu. Et puis, voilà. Si je pense qu'il va y avoir d'autres vidéos du même genre à venir. Parce que j'aspire à faire travailler plus les créateurs indépendants. Voilà. C'est, de temps en temps, j'aime bien le faire. Parce que, bah, du coup, pour les faire travailler... Voilà, je trouve que c'est mieux. Puis c'est Made in France pour la majorité, donc qui plus est.
Voilà, prends soin de toi et puis je te dis à très bientôt. Bisous. Ciao.